Bonjour amis Verseau, je suis contente de vous retrouver pour votre petit tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours du mois de juillet 2023. Je m'adresse aux Verseau et aux ascendants Verseau. Et donc cette fois-ci, je ne vais tirer que trois cartes car j'ai eu envie de changer un petit peu de façon de faire. J'aime bien le changement et on va voir cela. Alors, je vais tirer une carte comme vous allez le voir pour les célibataires, une carte pour les couples et enfin une carte pour la conclusion, le conseil, selon ce qui va sortir. Et je vais retourner et découvrir en même temps que vous, d'accord, d'accord et d'accord. Wow, très beau tirage pour les Verseaux. Alors, pour les célibataires, eh bien, tout simplement, sortez. Vous l'avez compris avec cette carte de la table, n'hésitez pas à profiter. Des sorties, des rencontres amicales. Il y a peut-être aussi à la clé, puisque j'ai Vénus ici, une rencontre amoureuse, une ou plusieurs, hein, parce que là, ici, tout est possible hein, avec la table. Disons qu'il ne faut pas voilà, rester dans votre coin, ça c'est évident, puisque tout ce qui est amusement, invitation, sont à accepter. Puisque c'est peut-être là que vous allez ou vraiment vous amuser, ou peut-être même rencontrer l'amour. Pour les célibataires, pour les couples, donc ça c'était pour les célibataires, pour les couples, eh bien apparemment c'est un mois où vous allez devoir beaucoup parler, beaucoup discuter. N'hésitez pas, si vous n'avez pas l'habitude de communiquer beaucoup, bah, c'est le moment de mettre les pieds dans le plat. Si vous avez l'habitude de communiquer énormément, eh bien, remettez-en une couche. Vous avez vraiment besoin de... apparemment, il y a beaucoup de sujets à régler et vraiment partager au maximum. Les Verseaux, ils ont besoin de toute façon, en amour, de partager des choses, de discuter, d'échanger. Donc, allez-y à fond. Peut-être que vous aurez un petit peu plus de temps en juillet pour le faire. Et en conclusion, la réussite, elle indique que de toute façon, vous allez vivre un très beau mois de juillet avec de belles récompenses affectives. Donc, profitez-en.